Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. Tout le monde a les torches, c'est pour les rats, on y va. Ah donc, notre emploi du temps est chargé. On va esquiver ça parce qu'on s'en fout. On doit faire des rats. On doit faire des rats. Des rats avant qu'on doive dormir en fait. Parce que si on dort, les gens risquent de pas aimer les rats et tout ça. Donc autant les faire maintenant. Là. Oh putain, quel con. Ah ça c'est bien pour perdre du temps. Ça c'est bien ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, très bien. Il est où, le rat? J'aurais dû en mettre un qui descend. Oui, là. Mais bon. Voilà, parfait. On est bon. Non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Avant que j'oublie, parce que ça, je vais l'oublier, ça va m'énerver. Respect de l'adversaire. La troupe gagne plus de butin après un combat. On a 505. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gain d'expérience au combat. Non, parce que c'est pas très très intéressant. Je pense pas que ce soit très utile de faire ça pour les rats. Là, en théorie, on devrait récupérer plus. On verra. On va voir ça. Mais ouais. On finit ça et on aura complètement fini Vertueuse. Donc ça sera cool. Et on a 6. Ah, d'accord. Ah, putain, super. Ils m'ont déjà... Si je fais que mettre... Transférer là, un perso là-dedans, dans le poison, je peux lui mettre genre 150 de poison. C'est débile. C'est un peu débile. Alors, on va mettre Laura ici. J'arrive à trouver Laura. Genre comme ça. D'autres AOE. Siléa. Ouais, tu vas faire ce côté-là parce que ça commence ici. Ingram, tu vas défoncer ça. Les gens ici. Johan, tu vas booster les gens là. Ouais, ça de ça, ouais, ça va. Attends. On va devoir faire ça. Ça, on n'est pas au full en bravoure, donc on va essayer de faire attention quand même. Ils ont combien de vie? Ouh, 46. Ils sont niveau 7. C'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. Donc on va devoir faire gaffe. Ah là là, ce lag des fois. Ok, très bien.
bien. Ils ont beaucoup de vie ces cons, 46. Ouais, quand on les one-shot plus, ça y est, c'est dangereux en fait. Il nous faut absolument galvanisation en fait. Toi tu peux pas bouger, t'es bloqué, c'est bien. Toi tu devrais les... Non même pas. Ok, Ménette. Tu vas... Voilà. On a un truc derrière nous. On va pouvoir s'en occuper. Ok, alors, fais voir un peu là. Ah, c'est pas la même. Hein. On va devoir faire un peu plus attention. On va pas rester très longtemps. On fait les... On fait les nids, on se casse. C'est bien, genre les mecs, vous savez que vous pouvez vraiment faire des critiques, c'est vraiment pratique. Le poison, ça les soigne. Putain. C'est pas mal. Ok, ça c'est pas mal. Là, s'il faudrait faire lui, on le fera le prochain tour, je pense. Toi, tu peux aller. Toi, tu vas mourir, toi. Non. Ça va, on est full. Bravo, c'est bon. Ah, c'est un peu plus difficile, hein, comme le dernier épisode, j'en parlais de ça. Genre, si on arrête de one-shot, là, ça fait un peu peur. Alors...
Ok. Les trucs quoi. Ouais. Très bien. Ça nous fait gagner un peu des points. Ok. Là, il nous faudrait... Ok, il n'y a plus de poison, c'est bien. On va devoir un peu foncer et se prendre du poison parce que là... Il y en a d'autres loin ou pas? Je crois. Oh, il y en a un sur la... Ah oui, d'accord. Ok. Bon, toi tu devrais mourir, ça va. Ménette, tu vas... Oh la vache. On peut te soigner, oui. On va aller te soigner. Il enlève le poison. C'est bien. On va le laisser venir, c'est pas grave. Sinon, j'aurais pas mes points, moi. Euh...
Il nous faudrait... J'ai joué les deux lanciers, c'est bête. Enfin, je crois. Non. Si. On va aller faire ça. Yeah! Notre A est plus fort. Un, deux, trois. Pas mal. Là, on est full bravoure, tout va bien. Ah la vache. Oh, ah c'est cool pour vous ça. Vous êtes vraiment mal tombé. Pas mort sans déconner quoi. Bah du coup oui, il y en a beaucoup qui sont morts. Bam. Parfait. Je me concentre un peu plus sur les nids là, on les détruit. Et après on peut partir. Ouais, une fois qu'on a repris galvanisation honnêtement, ça passe. Quoi, peut-être la... Ouais, non, la torche tue pas. Ça, oui. Ça, avec fureur, ça marche bien. Lui va mourir. Toi, il faudrait que tu...
tuer. Toi, il faudrait te... t'attraper, j'ai envie de dire. Toi, tu vas mourir. Aïe aïe. Lui va mourir normalement, on est bon. Honnêtement, je pense que c'est bon. Tarus, le seul qui a... Non, j'allais dire... j'allais dire le seul qui a... Il peut pas soigner, mais en fait, il y en a encore quelques-uns qui peuvent pas soigner. Encore, il reste celui-là, celui-là derrière, ok, ça marche. On va aller le détruire, comme ça, on n'a plus rien à faire. Putain. Comme ça, c'est fait. Bien. Ah putain, tu peux le faire à la bombe. Oui, de die. J'adore cette arme. J'adore cette arme. On la tue. Voilà. Ah bah ça va mourir. Et voilà. Ouais, pas besoin de rester 3 heures non plus. Hein. Menet Finlam, très bien. Alors on a eu 121 crocs. Je sais pas si on a eu moins que... Ouais, on a moins eu. Ouais, parce qu'on n'est pas resté très longtemps, j'avoue. 44. Ouais, j'avoue que... Là on n'est pas resté très longtemps. Mais bon, j'avais envie de faire autre chose un peu. 7... De toute façon, les rats, on en a toujours plein. Vous venez de terminer l'émission. Ok. Et hop. Normalement, la carte. Vous avez terminé la région province de Vertrouz. Nickel. Nickel. Niveau 8. Alors niveau 8, les compagnons ont moins enclin à subir des blessures au combat. Ça, c'est pas très intéressant. Ça, on prend. Genre, c'est moins cher. Prix. Le prix des trackers, bah, c'est utile pour, je sais pas, genre si je veux acheter des peaux blanches. La nouvelle recette d'alchimie à part. Oui, non, ça, c'est niveau 7.
Ouais, genre à la limite pour ça, des fois, quand j'ai pas vraiment envie d'aller tuer des. Ou alors s'il m'en faut beaucoup, du cuir blanc. Ils en vendent une dizaine à chaque fois. Pour des dents là. Donc bon, c'est pas mal. Pas mal. Après les. Tout ce qui est plan et tout, on les vole évidemment, mais. Bon ben ça va, un petit 200 d'influence. Might she be looking for work? Here is your reward. On est bon, on peut partir. Un truc que je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? This inn is mostly a rest stop for travelers on the way. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pas grand-chose. Oui, j'aurais pu faire plus long, mais hein, les rases, il y en a plein à chaque fois. On a 17. On a 14 appâts, très bien. Non, ça va, c'est bon, on a bien fait. Comme ça, on peut enchaîner sur autre chose. La dernière fois, on avait fait aussi les rats en fin de partie. Infectée. Cette unité est infectée par la peste. Elle pourra la transmettre en combat via une blessure. Donc, un rat pestiféré. Alors, dégâts à la cible, il lui applique 1 de fièvre. Honnêtement, ça c'est pas mal. Cette unité a pyrophobie et dégâts de poison régénère la santé à la place. Dégâts subis de feu augmentés. Par contre, ils sont très fragiles, ça le problème. Alors, fais voir un peu les nouveautés qu'ils ont. Donc, ils ont toujours le fromage. Après, c'est une tu as un ennemi, elle supprime la consommation. Oui, mais je crois que c'est 2, donc c'est pas vraiment intéressant. Après, on a pareil, survie de l'espèce et appel de la nuée. Après, on a grognement nocturne, organisme remarquable. Ah, mais on a exactement pareil. Ok, ça marche. On a exactement pareil. Sauf que, bah, c'est différent parce que... lui, c'est un infecté, en fait. Mais ouais, honnêtement, ils sont pas très bien, les rats infectés. Enfin, ça fait fièvre. Fièvre, c'est pas mal, hein, en fait. Non, j'avais dit que... Fièvre, c'est vraiment pas mal, hein. On le garde ou pas? Que de plus. On a combien de remèdes? Ouh! Ok, on a plus que 2 remèdes, ça marche. Son copain. Ah, ils sont copains. Comme ça. Attends, on va les mettre là. Comme ça, ils gênent pas le groupe. J'adore le jeu. Alors, on va remettre les boucliers. Toi, tu reprends ça. Et on est bon. Fais voir les torches. On va détruire les torches qui sont abîmées, parce que sinon, c'est le bordel dans l'inventaire. Celle-là. Celle-là. Est-ce qu'il
qui est marrant, c'est que faire des torches, ça demande pas du matériau brut. Et on peut en récupérer comme ça. Ok, on se casse. On avance. Ah, on peut utiliser le voyage rapide, tiens. On peut faire ça. Un truc aussi, c'est qu'on pourrait faire des apparats et on fait revenir les nids. Mais honnêtement, j'ai pas... Enfin, honnêtement, c'est vachement bien pour farmer l'influence. Parce qu'à chaque fois, c'est entre 300 et 400. Si on reste longtemps, on peut faire 400, peut-être 500 d'influence. Donc j'avoue, ça c'est une bonne chose. Strange. The market doesn't... I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all been... This crook has been screaming his head off... Ok, il faut qu'on fasse des remèdes à tout prix, parce qu'en fait, j'en utilise, mais au final, j'en fais jamais. It's all so confusing to me. Who would do this to my family, and why? Ouais, on peut faire des apparats et les faire revenir. Mais bon, comme j'ai dit, ça peut attendre. Peste 11, remède 12. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Taverne, on va regarder les missions, histoire de partir. Pas d'alcool. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Ah oui, il faut déposer les choses. Might she be looking for work? Alors, Stromcap. Apprévionner Stromcap avec argent x2. Cortia cherche 3 parchemins. Cortia c'est où Cortia? Je sais pas où c'est Cortia. Est-ce qu'on a les voies? Attends, est-ce qu'on a les voies genre ça coûte moins cher. Commerce artisanat. Ah, prix de vente plus 10%. Ouais, on l'a. Might she be looking for work? On peut prendre ça. Stormcap. Cortia, je crois que c'est là où on va en fait. Si je dis pas de conneries. Ouais. Donc 3 parchemins et 2 argent. Alors moi ce que je faisais pour faire beaucoup d'argent, c'est qu'on les vole en fait. This crook has been screaming his head off for days. I am this close to making him eat his cart. On les vole et on les blanchit. Donc ça prend un peu de temps. On les vole, on les blanchit, puis après on les revend. Et bah c'est tout bénef en fait. C'est tout bénef parce que c'est quand même bien cher. Mais le problème c'est que ça prend du temps à blanchir. Puis c'est beaucoup. Je sais pas, de toute façon je les ai pris maintenant, donc, I am this close to making him eat his cart. 3 parchemins. Oh, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Je sais pas. Est-ce qu'on peut voyager même si on est plein? C'est ça la question. On va regarder pour faire à manger.
avant de partir. Alors, ça. Ça nous fait des repas. Donc, il nous en reste 11. Les anguilles, il nous en reste pas. Ça, il nous en reste 4. Il nous manque juste de l'alcool, en fait. Là, des trucs au pain, on en a 4. Là, on a 2, 9, 11, 6. Je pense qu'on peut garder le surplus pour le moment de nourriture. Ce qu'il nous faut absolument, c'est de l'alcool, en fait. Alors, sol des montagnes. Ouais, toi, tu veux les pousser. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Ok. Ok, notre poids est bon. Alors, est-ce qu'on peut voyager ? Parce qu'en plus, on doit se reposer. Donc, Tiltren, Strom Cap. Et on doit manger 30... sur les marchandises. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Ouais, on peut pas. On peut pas faire ça, en fait. Enfin, si on peut, mais on va payer en taxes. Ça marche. Bah voilà, ils sont pas bêtes, parce que sinon on pourrait faire des allers-retours sans cesse. C'est ça du sens. Parce que c'est honnêtement, c'est les missions qui donnent le plus d'argent, c'est de faire ça. C'est de faire des allers-retours entre les grandes villes. Et le pire, voilà, c'est faire comme je dis. Genre voler. Merde, il y a quoi qui doit. Il y a sûrement. Oui, il y a des trucs là. C'est voler. Là et là. Blanchir. Puis après. Évidemment, on revend. C'est tout bénef. Parce que c'est cher en fait à l'achat. Mais bon, on va pas le faire. Très bien. Nickel. On a eu ça. Bracelet en corail. Les couleurs vives de ce bracelet brillent à la lumière du soleil. Ok, nickel. Tiens, on a encore un autre. À quel moment ai-je signé pour jouer ce foutu garde-chasse ? Trucider des bestiaux, c'est bon pour les paysans et les sauvages d'Arag. Je veux plus que ça. Frapper un compagnon au hasard pour passer ses nerfs. Ronchonner. Après un repos à quantité de points de bravoure gagné par la troupe du niveau 2. Ouh, ça c'est dangereux. Boire pour oublier la frustration. Ouais, vas-y, bois. Déjà qu'on n'est pas à fond en... Le fun. Un truc qu'on peut faire aussi, vu qu'on a beaucoup de nourriture. Et qu'on consomme pas beaucoup, on a du porc. Et du coup, pour ce que je viens d'y penser, là, en fait, on a plein de porcs. Parce que nous, là, on utilise de la nourriture qui donne des buffs pour combattre, en fait. Et pour que, aussi, notre fatigue monte quasiment pas. Mais si on veut juste passer des jours pour, par exemple, comme j'ai dit... pour blanchir, par exemple. Pour blanchir les objets, parce qu'il faut passer des nuits. Mais du coup, on utilise les porcs grillés, là, à la place. Et du coup, bah, on n'utilise pas la bonne nourriture, en fait. La nourriture qui buff. Et voilà. On peut faire ça. Peut-être que... Pour voler, hein, si jamais on vole tout, en fait. On peut faire ça. Si à chaque fois, à chaque nuit, on blanchit des choses, honnêtement, ça passe bien. Ouais. Tu
Tiens, ouais, faudrait qu'on teste ça. Après, c'est pas loin, Stromcap. Ouais, non, ça, je ferai ça la prochaine fois. Quand on a du 10% en plus, là, de revente et tout, peut-être qu'on fera un peu ça. Mais bon, honnêtement, comme j'ai dit, l'argent... C'est Stromcap qui a demandé de l'argent. L'argent de métal. Hein. Je crois que c'était quoi? C'était 90 l'un, on en a pris 2. Donc on a dépensé 180. La récompense, déjà, c'est 200 et quelques. Donc on fait pas trop. Mais par contre, il faut le revendre. Et le revendre, ça coûte cher. Théorie. Ah putain, sans déconner. Marché, c'est... Attends, faut que... Deux argent, vendre deux argent, c'est à lui. Come, come. Take a look at my wares. Alors, deux argent. Ouais, 114 au lieu de 90. On gagne 20, quoi, 24, c'est pas énorme. Hein. Donc c'est pour ça que il faut... potentiellement les voler. C'est mieux. You touch it, you buy it. Those refugees. I understand there's a war in Edoran, but that doesn't mean they can just help themselves. Oh, on a encore plein. Oi, 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 oi. Alors, est-ce qu'on a des choses? Nouvelle Astel en poterie, non. Corsia recherche 4 draps. Je vois pas pourquoi j'ai tenté, c'était complètement con. J'aurais dû même pas tenter parce qu'en plus j'ai pas... Enfin bref. Je sais pas pourquoi je regarde les gens, de toute façon, on va pas en prendre des nouveaux. Ah. Très bien. Ça, pas vraiment si on... Faudrait qu'on commence à les bouffer en fait. Même si c'est complètement du gâchis, faudrait les manger. Il me faut du blé. 40 jours, c'est bien. You touch it, you buy it. Those refugees. Alors, on va tester. On s'en fout. Donc, qu'est-ce que vous vouliez là-bas? Alors, 4 draps, 3 parchemins. Donc, les parchemins, on les a. Parchemins, on les a. Donc, maintenant, c'est des draps. Ok. Donc, draps. Come, come! Take a look at my wares!
115. Ça va, c'est pas... C'est pas énorme, mais on est plein. On va regarder pour entreposer un peu ce qu'on a. Je vais voir si je fais ça. Ça aussi c'est un truc, ça serait bien qu'on puisse genre crafter si les objets sont en ville. Qu'on a laissé en ville, bah on peut... J'en fais ou pas? Non, on en a déjà 4. Je vais en faire un. On peut crafter sans les avoir dans l'inventaire, en fait. Si c'est dans le coffre, ça suffit. Ça serait vachement bien, ça. Des petites choses comme ça encore pour améliorer le jeu. Alors... qu'on se vide l'inventaire encore une fois. Je vais essayer de faire ça vite. Garde un peu de sel. Un peu de bois. Okay, ça, c'est bon. On a beaucoup de vin. Je sais pas quand on va l'utiliser le vin en fait. Honnêtement. Je me rappelle plus. Ça, ça. Champignons. Faut regarder les poissons. Poissons qu'on a, ce qui sèche. Il nous en reste 4. Ça fait pas beaucoup. Il nous en faudrait quelques-uns d'avance. 4. On va prendre ça. Ok. Ah, est-ce que les gens prennent des niveaux? Tiens, ça c'est une question aussi que je me disais. Hacker, niveau 5. Niveau 2. Non, ils prennent pas de... D'accord. Donc faudrait... Bon, après on peut crafter, c'est pas vraiment grave. Mais ils prennent pas de niveau, ça marche. Alors, ça c'est bon. Le fromage, on va le garder, mais je sais pas trop à quoi ça sert. C'est ça, c'est lourd le fromage. 0,5 pour à peine 2, putain. Oh, merde. Ouais, je sais pas trop à quoi ça... Merde. Je sais pas trop à quoi ça sert le fromage. Je pense pas que c'était aussi lourd, je pense que c'était peut-être 0,3 max. Ah, du coup, oui, du coup, ça va mieux. Je pense qu'il y a un plat avec, en fait, quand je dis, quand je me demande comment ça... À quoi ça sert, je me demande s'il y a un plat avec. C'est ça, le truc. Okay. Ce qu'on va faire, donc on va faire ce que j'ai dit. Alors, ça, il nous faut notre voleur. Voilà. Ah putain. Ah, faut reprendre les champignons, je crois que c'est celui-là qu'on a le plus. Parce qu'il y a une il y a quelqu'un qui est végétarien, je me rappelle plus qui.
Ils sont où les champignons? Ils sont là. Donc faut à la limite prendre les champignons en fait. Comme ça, si on fait ce que je suis en train de faire, on peut mettre un champignon dedans. Alors vas-y. Attention, Ingran et Silea, c'est amélioré. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Oh putain. Quoi ça? Ça a pas fonctionné. Enfin après c'est un pourcentage, je pense, encore une fois. C'est pas tout le temps. Eh merde, quel con, putain, à chaque fois je vais comme un bourrin. J'espère que d'ici qu'on arrive, on les fera, ils seront blanchis les trucs, parce que là... On voit que la fatigue, ça descend beaucoup plus vite. C'est pas la même chose. Oh merde, c'est une garde, ça? Non. Des réfugiés. Ah putain. Oui, prenez. Merci. Cinq fleurs. Ça aussi, je crois que 5, c'est... on en récupérait pas 5, hein, je viens de m'apercevoir. Je crois que le maximum, c'est 3. Hein. C'était 3 objets maximum dans le monde. Genre 3 fleurs, 3 métal et tout ça. Là, on est d'accord que je viens de récupérer 5. Comté d'Arthès, royaume des Dorans. C'est quoi ça, des réfugiés, ouais. Bergerie. Embuscade. Ouais, ils se font attaquer, la bergerie se fait attaquer. Ouais, on est bon en niveau là. Je pense que peut-être c'est un peu le même niveau que on était. Donc du coup, on devrait pas trop avoir de problème. Ah oui, il nous faut un... Si on veut garder le rat et on veut pas qu'il crève, il nous faut un collier. J'avais un peu zappé ça. Très bien. Je sens que si je tue tout le monde, qu'on récupère de la viande, je vais pas pouvoir... bouger. Encore une fois. Mais bon.
qu'est-ce que c'est bien. J'adore cette dague. Elle est tellement bien. C'est bien ce que je pensais. Attends. Comment on fait ça? Voilà. Alors, ça. Il n'y a personne en fait là. Chip. Ce mouton tremble beaucoup. Vous n'êtes pas totalement sûr qu'il soit comestible. Faut pas gâcher. Carcasse et mouton. Non. Ce mouton n'a plus que la peau sur les yeux. Faut pas gâcher. C'est marrant, on peut. Ok. C'est nouveau ça. Je suis sûr qu'il y avait des gens avant. Je me rappelle pas où on devait peut-être, enfin potentiellement exécuter des moutons. Hein. Je me rappelle pas du tout de ça. On va pas le faire, on s'en fout. Ouais, je comprends pourquoi les loups ils attaquent. Chip. Ouais, non, mais c'est bon. Okay. On va refaire la même chose. Le loup, on va le garder, parce que le loup, ça risque d'être bon plus tard. L'objet volé du coffre a été blanchi. Yes. Non, c'est quand même mieux qu'avant. Faut l'avouer. Oh merde. Non, mais c'est quand même mieux qu'avant. Le blanchissement est quand même nettement plus intéressant. On va te rechercher par la garde, oui. Se rassurer. J'essaye d'économiser mon... Ah, prends une bière, me fais pas chier. J'essaye d'économiser mon influence, vous me faites chier. Ok, il faut du poisson. Bon bah c'est bon, on a tout blanchi. Ah, je crois que c'est là qu'on sauve la femme. Maman, j'avais dit là, c'est le bûcher. Je crois que c'est un des NPC qu'on récupère gratuitement. Enfin, des compagnons. On va d'abord aller à la ville pour vendre ce qu'on a. Je crois que c'est la fille. C'est une voleuse. Enfin, on pourrait la prendre avec nous maintenant et la laisser à la ville après. Ah, quoi que non, faut sûrement farmer pour l'argent. Ça doit être super cher maintenant. S'il faut, c'est exponentiel. C'est sûrement exponentiel pour ouvrir un comptoir, j'imagine. Ah, ça y est, on y est déjà arrivé. Cortia. Ah, c'est pas loin du tout en fait. Là, il y a une église à Cortia. Alors, marché. Oh, don't believe a word she says. She probably came across a band of deserters. They've been running rampant in these parts since the beginning of the war. Non, attends. Vendre 3 parchemins. Vendre.
Putain. On le vend bien au même mec, hein. Vendre 4 draps, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On vend 4 draps ou on vend les 5 qu'on a? She probably came across a band of deserters. J'ai envie de dire, on vend. They've been running rampant in these parts. Là, voilà, là, ça vaut le coup parce que là, on a tout volé. Et si on vend tout, c'est 325. C'est tout bénéf. C'est tout bénéf, là. Là, oui. Bah oui, parce qu'on n'a pas le. On n'a pas le comptoir encore. Donc, autant tout vendre. Pièce de monnaie. Il y a un trou au milieu de cette pièce en bronze. Et parchemin. Parchemin aussi, 339, mais bon, il faut les voler. Très bien. Les parchemins, on les a pas volés, on les a achetés. Par contre, c'était pas très cher, les parchemins. Je crois que c'était 67. Ça au corail. Ouais, je crois que c'était à peu près 67, donc du coup, ça vaut le coup. Même de les acheter et de les revendre normalement. Bon, bah ça va. On est un peu remonté. Mais bon, oui, on fera comme ça. Si jamais je veux blanchir et tout... et que je veux faire passer les jours, on arrête de manger des repas, on prend du porc, parce qu'en plus on en a plein du porc, on mange du porc grillé pendant un moment, ou même du poisson, enfin peu importe, des trucs un peu de bas de gamme, et on fait passer les jours. May the all-seeing eye strike me down if I lie. I saw him, I swear. 3 days ago, I was collecting firewood with my husband. When the hunter's ghost attacked us, we managed to flee to the mountains, but it was a very close call. Uh-huh. My meat is quite pungent, I admit, but I can assure you it is still perfectly edible. Mm-hmm. Ça marche si tu le dis. The war drags on, and Lahart and Vernalis requisition anything they come across. I barely have anything left to sell, let alone eat. Faut qu'on regarde le bar. Ça va, on est presque plus recherché. La taverne, pardon. Voir les spécialités d'ici. Ah oui, on a ça aussi. You seem lost. Are you in need of any particular information about Artes? Are you looking to take on jobs the emissary wouldn't dare post? Non, mais c'est bon. Might she be looking for work? Our role as emissaries is to ensure that all service requests are fulfilled. Here is your reward. Alors, tombeau, une escouade, une troupe, un fantôme, des rats, la tour du brumant. Du moment est devenu un lieu dangereux depuis que les bandits sont emparés. Alors fais voir toi. Look how empty this room is. Before the war, there were two taverns in Cortia, and we were still completely full on market days. Ça on prend. Donc vous apprend comment cuisiner le réconfort paysan. Et ça, les fruits confits. Réconfort paysan, c'est ragoût de porc et porridge. Porridge on. Ragout, bah non, mais on sait pas les deux en fait. Ragout de porc, j'ai pas. Ragout de porc, je crois que c'est les haricots et le porc. C'est pour ça que je l'ai gardé de côté, tout le porc là, je l'ai pas cuisiné. Donc ça, on va pouvoir en faire, mais il faut plein d'haricots. Et du. Ouais. Et. Après le porridge, je sais pas. Et puis en plus, on l'a pas ici. Pomme, raisin, cerise, miel. Là. De deux le bonheur de la troupe. C'est pas vraiment intéressant. C'est débloqué le titre doigt de fée. Ça c'est quoi, maximum de points de bravoure 2 et mouvement augmenté de 1. Mouvement augmenté de 1, c'est pas mal ça. Bonus augmente le bonheur de la troupe. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas vu que le fait de manger des repas augmente le bonheur. On peut la préparer. Ouais, c'est... Ouais. Maximum de points de bravoure, c'est bien. Après, le mouvement plus 100, honnêtement, c'est pas intéressant. Mais ce qu'on peut faire, c'est genre... prendre un des deux, là. Qui sont honnêtement les meilleurs pour le moment. Et après, prendre celui qui fait les points de bravoure.
Je crois que c'est le truc d'haricot en fait. Le ragoût de porc. Je crois que c'est le ragoût de porc qui donne ça. Les fruits confits, c'est pas intéressant. Bon, c'est bien. Mais un peu lourd, je sais pas pourquoi. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Faut que je pose le loup et le mouton et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, faut que je pose des trucs si on est trop plein. Je sais pas si... Non, on va pas en prendre 125, c'est bon, ça suffit. Alors, le comptoir. Ça va être méga cher, je suis sûr. Before the war, this travel post was bustling with merchants, caravans and travelers. I hope to see it rebuilt one day. I could help with that, but you'd need to buy the lot and hire craftsmen. What do you think? Bon. Allez. Wait here. Locals will be happy to work for your shiny crowns. Bon, ça va. Finally, a building in Artis that's not on the verge of collapsing. You can store your things in the chest and plop your companions down on these stools for as long as you wish. But most importantly, I can arrange trips from here to other travel posts you built. Where would you like to go? D'accord, ouais, plus c'est long. Ouais, ouais. Non, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Plus c'est long et plus il faut manger, en fait. Il faut plus, plus le voyage. Okay. Ça va, c'est cool. Pourquoi là je paye pas, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche, c'est fou hein. Ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Genre, pourquoi maintenant je paye plus... Genre, je paye pas Vertruse, alors que c'est le plus loin Vertruse. Je sais pas. Honnêtement, faut que j'aille regarder sur Internet. Alors, les cerveaux... Les cerveaux, ouais, c'est quand même... Ouais, ça, il faudrait que je regarde sur Internet, parce que là, ça me perturbe, en fait, le système. Se vide un peu l'inventaire. On a beaucoup d'alcool. On a beaucoup d'alcool, mais là on l'utilise plus vraiment en fait. On peut virer des champignons parce que maintenant on va remanger de la bonne nourriture. Le poisson séché aussi. Je vais voir, on est à combien? 489 si je fais ça. 462. Voilà. On garde un peu juste au cas où. 469, 559, c'est très bien. Très bien. Ça, le petit caire.
tech. Usually, I'm only allowed to tend to the animals. But don't let that worry you. Man and beast are not that different. Alors, l'huile de promptitude. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% chance d'augmenter la dex. Et là, l'huile de perforage. Les attaques effectuées ignorent 50% de la garde de la cible. C'est pas vraiment très intéressant. Putain, on a rien augmenté, ça tue. Ça tue. C'est super. Chance de voler ne fasse pas augmenter. Et nous, on avait mis quoi aussi? Une chance de voler ne fasse pas augmenter comme voler. Okay. Ça tue. Et comme j'ai dit, maintenant on peut continuer à manger de la... Enfin, remanger de la bonne nourriture, des repas et tout ça. I do not believe in Lord Vanalis' so-called vision for one second. Jeru came to him in a dream. How very providential. Everyone knows his mother has always dreamt of becoming a countess. Despite my old age, I became a priest only recently. I still find some prayers challenging. But I know I can help people and make amends for all the harm I have caused. Great, pal. In another life, I was a smuggler of the worst sort. The champion of their arena. Oh. Ah, how despicable I was among those lowlifes. If you're willing to teach these bandits a lesson by beating them on their own turf, I will share my best arena tactics with you. Lui, il est nouveau, je crois. Lui, il est complètement nouveau. I pray each day for this war to end. Ah ben oui, on m'a dit. Je crois que ça, c'est le lancier. C'est nouveau. Ça n'existait pas en early. This church is dedicated to Saint Septimus, the seventh son of Jeru, our guide and founder of the Faith of the Light. Okay. Jeru and all the other saints are hallowed individuals, but they are only human. The only divine being, the eternal one who will welcome us at death's door, is the all-seeing eye. Eh ben putain. Oh. L'épopée de Saint Jeru. Les compagnons de Jeru tremblèrent de peur à la vue de la bête. Ils n'essayèrent pas même de la combattre car tous savaient qu'aucune arme terrestre ne pouvait vaincre la créature. Alors Jeru s'avança vers le monstre, armé seulement de son bâton de marche, il tendit les bras vers le ciel et appela l'œil divin par trois fois. Au troisième appel, le dieu de la lumière répondit. Il frappa la bête de son châtiment, reconnaissant la puissance du très grand dieu, l'infâme s'en retourna dans les ténèbres et libéra le chemin du guide. D'accord. Ils sont bien ces petites histoires, dis-moi. Du coup, on est bon. On a deux points. Je suis un peu déçu. Ah oui, oui, oui. Regardons ce qu'on peut crafter. Enfin, cuisiner. Mais j'avoue que je suis un peu déçu pour le moment, là, la cuisine. Il y a... Ouais, non, mais il n'y a rien qui va être intéressant, en fait, pour nous, ici. Il nous faudrait... ça. Le ragoût de porc à la limite. Ragoût de porc, je crois que c'est les points de bravoure augmentés. Honnêtement, pour être bien, ça serait ragoût de porc, chou farci. Donc ça fait critique, bravoure en plus. Ce qui est très puissant. Et après, vous prenez ou un délice coteau là, pour la dex. Ou un choc des cultures pour la force. Avec, bien sûr, réduit la vitesse de fatigue aussi. Ça fait beaucoup de nourriture, hein, parce que honnêtement, là, on... déjà qu'on en gaspille, techniquement. Là, on en gaspillerait encore plus. Mais techniquement, on peut faire ça. Et ça serait bien. Ça serait des bons buffs, en fait. Alors...
balader un peu dans la forêt. Niveau 5, ça va. Je voulais voir un peu quel niveau ils étaient. Ouais, je pense que c'est plus ou moins le même niveau que... que Vertruse. J'imagine que... quand on commence, on a... en gros... on a la droite et la gauche. Pour les zones. Et elles doivent être du même niveau. Mais bon, entre... entre les repas qui sont pas très intéressants parce qu'il n'y a pas le celui qui nous intéresse. Puis les potions aussi qui sont un peu bof. C'est pas vraiment le fun ici. C'est pas le super fun, cet endroit. Partout. On aurait dû prendre des missions. Bon, on va d'abord regarder le bûcher là. On aurait dû prendre des missions. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Le loup, non. Devrait peut-être se reposer, histoire de se buffer en fait. Allez, c'est reparti. On va prendre... ça. Ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il a collier bardé de lard. Je sais plus comment on fait ça. Collier bardé de lard. Il nous faut du gibier x2. Merde. Ah! Oh merde. Putain, il y en a deux. Gibier bardé de lard. Ah non, c'est peut-être pas cet endroit là. What? Ah, the heretic. Her house has been struck down by the light's reckoning. We require no further proof of her sins. Ah oui, l'histoire c'est que la foudre a frappé sa maison et maintenant ils veulent la brûler. Ah les mecs, hein, ils font pas dans la dentelle. How are we to burn this heretic at the stake? All our wood was ruined by the rain. If we try to set it on fire now, the prisoner will agonize for hours. We cannot do such a thing. We are not monsters. C'est marrant. J'aime beaucoup l'équipement. C'était pas comme ça avant. Regardez, il y a même des dessins et tout sur les plaques de bois là qui protègent. Putain, mais c'est super beau. Could you possibly donate a few logs in exchange for our blessing? I am not a heretic. Oh, please, you must believe me. I don't know why my house was beset by the light.
Ouais, c'était pas comme ça. Could you possibly donate a few logs in exchange for our blessing? Zélote fanatique purgateur fanatique. C'est parti. On va la sauver. Mais je crois que c'est elle qui nous rejoint et c'est une assassin et elle est alchimie, je crois. C'est, elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite, pas dans le sens. Hein. Interrogatoire musclé. Ça, c'est le truc qui tape plusieurs fois. Ils sont classe, hein, les armures. Oh, il y a des chaînes et tout. Putain, ça tue. Alors. Ah oui. Le bouclier qui fait. Brûlure. Et là aussi ça fait feu. Putain, c'est vraiment top hein, ce qu'ils ont. Perd 12 de santé pour infliger 35 de dégâts aux unités dans une zone en ignorant leur garde. Intéressant. Intéressant tout ça. Vous êtes 9. Ah, vous avez, le gros est là en fait. Toi t'es tout seul, c'est bizarre. Pas vraiment bien placé les gens. Mais ça va. En deux, le mec. Putain. Oh la vache. Massacre quoi. J'avoue que là on les massacre. Ils abandonnent pas hein, par contre. Hein. Un peu le lancer de machin.
Wow, okay. C'était un peu triste. C'est un peu triste à voir. Ouais, c'est elle. I am so grateful. You saved my life. Here, take this. It is all that I could save when the Inquisition came to get me. Par contre, c'est pas le même nom. Would you take me with you? As one of your companions, I mean. I could make myself useful. I am well versed in the arcane arts of alchemy. Elle est apprentie. Ouais, c'est pas mal. L'accueil avec joie. Je sais pas ce qu'on gagne à la laisser brûler. Alors, fais voir un peu ça. Segmenta du paladin, c'est une armure lourde. Cette armure est le caprice d'un haut gradé de l'Inquisition qui ne supportait plus de ne pas se distinguer assez de ses sous-fifres. On va voir un peu la gueule de ça. Putain, il y a des trucs dessus. Ah, c'est pas mal, hein. L'armure sinistre se fond dans la nuit et scintille au soleil, effrayante lorsqu'on l'entend, terrifiante quand on la voit. Voilà, du critique dessus, sur des armures lourdes, c'est pas mal. Je vois un peu la différence. C'est le même skin en fait. Ouais, c'est le même skin. C'est pas mieux que ce qu'on a, mais c'est vraiment cool. Et après, il y a quoi? Chaque fois que cette compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer un poison. Ah oui, mais c'est ça que je faisais, moi. Je crois. Je crois que sur son arme à lui, j'avais mis poison, je crois. Chaque fois qu'une compétence est finie. Du coup, il pourrait mettre poison avec sa bombe et je crois que ça déclenche fièvre. Parce que... Oh, ça fait un bord. En fait, ça fait une sorte de combo de ouf, en fait. Ouais. On va mettre ça. On verra. On verra. Mais ouais, il y a pas mal de choses à faire avec. On pourrait la dénoncer, dire que c'est elle qui a fait tous les vols, comme ça on est plus recherché. Merde, il y a quelqu'un. Ok, c'était méchant. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? On va la déposer. On va la déposer. Et on va regarder un peu les missions. Alors, hop, comptoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué quoi? Ça, ça. Je sais pas si on les garde les armes. Oui, mais non, de toute façon, on peut pas les augmenter, rien. Non, ça existe pas.
Ça n'existe pas d'augmenter les armures, donc, du coup. Très bien. On va regarder donc les quêtes. Alors, on fait voir un peu. Les primes. Alors, le tombeau. Peut-être un peu trop. On vient juste d'arriver. Donc, tombeau et fantôme, là, et boss, ça ira. La tour, par contre, pourquoi pas. On va te faire mettre. C'est cool. Les rats, comme on a dit, on les fait en dernier. Waouh, quel plaisir, tu vois. Waouh. Pas mal. Pas mal, on a utilisé... Bon, pas trop utilisé, donc encore ça va, mais on a tout raté. Ça fait plaisir. Aïe, 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 aïe. L'abbaye de Saint-Éléor. Je sais pas pourquoi les mecs ils sont en rouge. Mais normalement je crois qu'on peut les... On peut les défoncer, hein, y a pas de problème. Have you come to pray for the soldier's recovery and the victory of Lord Vernalis? You really should, you know. Lord Vernalis is a devout man. Jeru came to him in a dream and identified him as the one true ruler of the land. It is my holy duty as an abbot to help him. That is why I am tending to his injured soldiers. But I so wish I could do more. Perhaps if I paid you to take on a number of specific tasks, how would you feel about stopping that usurper Lahart from levying his taxes? This would lessen the burden on the farmers, and I could feed the injured properly. Blessed be St. Elio. The Heart's tax collectors never miss a chance to ransack Boethius. Ah, oh, man, I will take you to the hamlet so you don't get lost. C'est une escorte. Oh, la vache. Don't tell the abbot I said this, but Lord Vernalis' sudden vision of Jeru is a bit strange. Don't you think? I have been praying daily for over 20 years, and the guide has never once spoken to me. Oh, mais il y a des gens là. Lord Vernalis sent me to tend to the injured, but without providing me with the resources to do so. I would be very grateful if you could supply me with some flowers, specifically snow irises. Cadeau. Thanks to you, I can finally get to work. Thank you very much. Take this. I hope it will prove useful. Ah, it hurts. I don't want to die. Not so soon. Pas déjà. Ok, très bien. Ah, je suis en train... Faut que je regarde le compendium. J'ai un truc qui vient de me revenir. Parce qu'on a fini la zone de Vertruse. Ah, oh, putain. Alors, les crochets. Là, je me rends. Attends. Elles ont la même gueule? Non, c'est. Non, c'est. J'ai rien. Je dis n'importe quoi. Crochet. On va en faire 10. C'est ça maintenant. Je viens juste me rappeler. Compendium. Là, tout en bas. C'est bien ce que je pensais. Restauration de Gozenberg. Les matériaux de réparation et le forgeron de village réparent 5 points d'armure. Il faut acheter le livre.
Ah, c'est ça que je viens de complètement de m'apercevoir. Tiens, mets-toi au feu. Ah la vache, il faudrait retourner là-bas, quoi. Enfin, honnêtement, je peux le faire en courant parce que c'est le plus simple. Mais il faudrait que j'y retourne. J'y vais trop vite avec les crochets, je les abîme super rapidement. Une attelle. Connaissance. Et ça c'est quoi? Ah ça y va les crochets, putain. Ah je vois rien du tout là. Je vois rien. Ok. Où est-ce qu'on va là? Crypte de l'abbaye de Sainte-Hélénore. Alors, un coffre est scellé par un puzzle dont une pièce est manquante. Ok, une pièce manquante, c'est intéressant. Ah, ça m'embête, je vais complètement oublier d'y aller, moi. Enfin, après, c'est dans le compendium, c'est assez visible, quand même. Par contre, on a des nouvelles choses. Ah non, je vais voir, c'est dans le bricolage. Ah, civière, un blessé est soigné pendant le repos. Alors ça, je me rappelle que... Oh, il y a peut-être une... des améliorations maintenant et ça devient plus intéressant, mais ça soigne en fait les blessures, donc ça évite d'utiliser des remèdes. Mais bon, les remèdes, on croule sous les remèdes, hein, je veux pas dire, hein, on peut en faire plein, hein. Après ça fait des, ça fait moins cher, quoi. Mais c'était pas intéressant vraiment, je l'utilisais très rarement. Mais bon, apparemment il y a deux niveaux aussi, donc on peut voir un peu ce que ça fait. Et après, on a eu quoi d'autre? Une attelle. Le porteur a 20% de chance de perdre une blessure en dormant. Ah, ça aussi, ça a été changé. Je crois que ça, c'était genre, on a une chance de... on a moins de chance de se prendre une blessure, je crois. Et là, on a une chance de se guérir, en fait, pendant qu'on dort. Intéressant. On va acheter... Enfin, on va construire la civière. Mais ouais, c'était pas utile, honnêtement. Ouais. Ça prend beaucoup de place en plus. Ouais. Si je regardais déjà l'amélioration, peut-être, parce qu'après ça va prendre de la place, j'imagine.
Alors, est-ce qu'on peut le faire? Ouais. Alors, blessure est soignée pendant le repos. C'est exactement la même chose. Ah, tu peux mettre sûrement deux personnes. Ok. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait que la version 1, évidemment. Et qu'il n'y a pas de... Ouais, plus 1, ok. Et du coup, oui, c'était pas très très intéressant, quoi. Bon, là, c'est... Oui, là, tu peux mettre plusieurs personnes, en fait. J'avoue. Ok, oui, ça peut... J'espère que la version 3 fait quelque chose d'autre. Alors... Bonus, une unité saine assignée à la civière gagne le statut drogué. L'unité ignore la prochaine blessure. Ah bah voilà, bah c'est sympa ça. Enfin, honnêtement, est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est utile? Parce que les blessures, elles viennent après les combats, elles viennent pas pendant les combats. Le truc, c'est que c'est ça, c'est que les blessures, c'est après les combats. Pas pendant. Donc c'est pas très très intéressant, quoi. Ouais, mais c'est bien, au moins ils ont fait... ils ont fait des trucs. Est-ce que on va peut-être s'arrêter là, je pense. Je vais refaire le camp. Je vais m'arrêter. On va s'arrêter là, parce que sinon je vais mettre 3 heures à refaire le camp. On va se remettre dans l'abbaye. Non, on va pas se remettre dans l'abbaye, parce que sinon je peux pas me reposer. Je vais refaire le camp, et la prochaine fois, donc, on continuera la mission, on fera ça. Ouais. Et j'ai... Ouais, je vais pas le faire maintenant, mais... Faudrait qu'on retourne à Vertruz. Je crois qu'il faut aller à Mareim et parler au forgeron. Putain, c'est con que j'ai complètement zappé. Ou Rochebrune, je sais pas, un des deux, il faut parler sûrement au forgeron. Pour récupérer le livre, là. Bon, après, c'est pas super important. C'est 5 points, ça répare 5 points de plus. Je crois qu'on est déjà, bien élevé. On est déjà à 25, ça va. Ouais, on est déjà à 25, donc c'est pas trop grave en fait. Mais ouais. Je sais pas si je vais mettre quelqu'un dedans. Ouais, peut-être, pourquoi pas. On peut mettre les rats ou pas? Je sais qu'on pouvait mettre les animaux avant. Ah, peut-être que... Voilà un peu. Ah, attends. Unité saine assignée à la civière gagne statut drogué. Donc on peut en mettre deux du coup. Donc deux auraient le statut drogué, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Et est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien honnêtement. Je sais pas. Bon. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera la mission. Ben, on est un peu obligé parce que sinon maintenant on a la BTO Seine avec nous tout le temps. Donc il faut qu'on avance dans sa mission et qu'on la finisse. Comme ça il nous quitte. Et ben, on ira se balader après, hein, comme d'habitude. Hein. Nouvelle région, on se balade. On essaye de trouver les nouvelles choses qu'on peut débloquer et tout ça. Je vais voir si je mets des gens dans la civière. Mais honnêtement je pense que ça sert à rien. C'est bien en décoration, mais c'est tout, quoi.
Voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.